Bonsoir Tata. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Vous êtes rayonnante. Merci. C'est quoi ton secret? C'est maman et papa. C'est maman et papa. Oui. Et toi? Tu sais que tu es si ravissante. Oui. On te l'a déjà dit plusieurs fois. Oui. C'est quoi ton secret? Tu as un secret? La beauté, le naturel. D'accord. On t'appelle? Naomi. Naomi. Et toi? Reine. Reine. Waouh. La reine. Alors, j'ai envie de vous poser chacune une question, d'accord? Okay. Et je souhaiterais que vous me répondiez avec sincérité. Okay. Ça peut aller? Oui. D'accord. Je commence par Naomi. Naomi, dis-moi, si un homme te trompe, tu le trompes aussi ou bien tu le quittes? Je le quitte. Pourquoi tu vas le quitter? Parce qu'il m'a trompé. Mais tu ne peux pas lui pardonner? Oui, parce que c'est une très grande trahison. Tu le quittes? Oui. Et si tu présentes tes excuses? Je vais lui dire, ok, mais je vais y réfléchir. Tu vas y réfléchir? Oui. Tu vas y réfléchir? Oui. D'accord. Parce que tu es sous le choc, tu vas y réfléchir. Mais c'est difficile. Là maintenant, c'est vraiment difficile. En quoi c'est difficile? Il te trompe, tu le trompes ou bien tu pardonnes? Je vais pardonner, mais ça va être vraiment difficile pour lui, quoi. Au moins, prendre des distances. Okay. Beaucoup de mois, mais je vais dire 2 ou bien 3 mois comme ça. 2 ou 3 mois? Oui, on peut oui, là, c'est trop quoi. Genre, par exemple, ma copine, par exemple, mais elle va le pardonner après. Mais elle va faire un peu de... Tu vas le faire souffrir un peu, quoi. Ah, tu vas le faire souffrir. Qui tu vas lui tirer les oreilles. Ouais, ça. Imaginons que dans ces circonstances où il t'a trompé, tu as refusé de pardonner et que dans la foulée, il tombe sur une autre meuf et il commence par être petitement amoureux de la fille. Qui est perdant? C'est moi qui est perdant. C'est vrai que je l'aimais et je serais vraiment en colère. Mais je lui dis, ok, comme tu l'aimes, je te laisse partir. Sois heureux avec elle. Point. Même chose chez toi, mais oui. Tu as dit de lui pardonner mutuellement. Je vais lui pardonner, je vais lui pardonner. Elle lui dit, ok, vas-y, je te souhaite tout le meilleur du monde. Tout le meilleur du monde. Et tu as laissé tomber, tu as laissé partir l'homme de ta vie. C'est pas le choix, comme il a déjà trouvé une autre femme qu'il aime. Je dois le laisser partir. Imaginons que c'est l'une de tes meilleures amies qui t'a trompé avec l'une de tes meilleures amies. Yes. Dans ce cas, ça va être le cas. Il part en même temps. Il n'y a rien à faire. Non. C'est non négociable. C'est non négociable. Là, c'est non négociable. Il n'a qu'à partir seulement. Peut-être comme je l'ai dit, il a été tenté. Puis il est tombé, il a succombé à la tentation. Tenté, à propos de copine, il va rester ensemble pour me tuer après. Bon, toi, c'est ton point de vue. Quel est ton point de vue, toi? Il t'a trompé avec ta meilleure amie. Tu le trompes aussi avec son meilleur ami ou bien tu le quittes? Je le quitte. Rien à faire. Rien à faire. Waouh, waouh, waouh.